Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième et dernière vidéo de la série de quatre vidéos sur comment faire pour trouver le pourquoi. Le pourquoi du client, pourquoi il a besoin de ce produit et pourquoi il achèterait ce produit. Alors, quatrième raison pour laquelle une personne achète, c'est pour la sécurité. Vous savez, aujourd'hui, notre monde est assez... change. Et aujourd'hui, eh bien, il est important et les gens veulent sortir en sécurité. Parce que dans certains pays, c'est vrai qu'on vit dans la peur. Et donc la sécurité, c'est une des raisons pour laquelle votre client achète. Le client veut se sentir en sécurité, il veut que sa famille se sente en sécurité et il ne veut pas se soucier et avoir peur à chaque fois de ne pas se sentir dans cette sécurité. Donc c'est la quatrième raison. Donc pour mieux retenir, je vous conseillerais eh bien, de penser à ça, de penser à cet acronyme, APES. Acrostiche, donc APES, APES. Donc A pour apparence, P pour performance, E pour économique, économiquement donc argent si vous voulez, et S pour sécurité. Donc l'acrostiche, donc vous pouvez mettre, voilà, vous faites l'acrostiche, et donc comme ça vous aide à retenir. Donc là, qu'est-ce que vous devez faire avec ces quatre choses? Ben, vous devez, lorsque vous demandez au client, lorsque vous faites votre, vous recherchez par exemple le besoin du client, ben, trouver c'est quoi son DBM. Donc le DBM c'est quoi? C'est le Dominant Buying Motive. Qu'est-ce qui le fait acheter aujourd'hui? Donc là c'est super simple. Lorsque vous posez cette question, qu'est-ce qui le fait acheter? Vous avez vos quatre trucs. Est-ce que c'est pour l'apparence? Est-ce que c'est pour la performance? Est-ce que c'est pour faire de l'argent? Ou est-ce que c'est pour se protéger, être en sécurité? Posez-vous la question.